Pour Emeline, c'est une première. Allez, encourage-le avec ta voix. Il se prend au jeu. Du skijoring, une discipline héritée des pays nordiques. Se faire tracter par un cheval sur la neige, un peu de neige et beaucoup de soleil, une fois l'appréhension passée, ce n'est pas si désagréable. C'était très sympa, une nouvelle découverte. Je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'en faisais. Et c'est difficile techniquement ? C'est pas intuitif en fait, et c'est une nouvelle sensation, mais surtout pour les virages, ouais, de penser qu'il faut mettre le harnais à droite quand on va aller à gauche. Et là, tu vas tester la direction. Théoriquement, cette initiation est à la portée de tous. Ça me permet vraiment de prendre une clientèle novice et vraiment une clientèle aussi novice en ski. J'ai déjà eu des personnes qui ont chaussé pour la première fois les skis en ski joring. Ils ont adoré. Hein. Juste, c'est à moi d'adapter mon discours et d'adapter l'effort. En revanche, les chevaux sont des spécialistes. Il faut que le cheval puisse passer du pas au galop en un instant et qu'il tienne sur la durée. Quoi. Après, ce qui est très physique pour les chevaux, c'est vraiment de marcher dans la neige. C'est comme nous, hein. Si on irait faire un footing dans la neige, ça devient tout de suite beaucoup plus physique. Attention, je vais à gauche, tu vas à droite. Ceux qui sont un peu plus assurés sur leur ski peuvent s'initier au galop, et pourquoi pas au slalom. Et dans ce cas de figure, c'est la monitrice qui guide le cheval. C'est plus difficile que le tire-fesse ? Ah oui, nettement plus difficile, oui. Le tire-fesse, c'est damé, on suit la machine, ça va. Mais là, c'est vraiment entre l'équitation et le ski. Nicolas, qui vient de Suisse, y va de bon cœur. Et sa chute est plus spectaculaire à la caméra que dans la réalité, car ici, contrairement au ski alpin, il n'y a pas de pente, il suffit de lâcher les rênes pour s'arrêter.